Good morning, everybody at home. Bonjour tout le monde à la maison. And good morning, the few of us that are here. Et bonjour à quelques qui sont là. We want to thank God for this great opportunity to still be here despite COVID-19. Nous voulons remercier Dieu pour cette opportunité d'être là nonobstant COVID-19. We want to thank God for November. Nous voulons remercier Dieu pour novembre. But November is coming to an end. Novembre, c'est quelque chose d'arrangé. And today is the last Sunday in November. Et aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de novembre. November has been a journey. Novembre a été un parcours. Thank God for the testimonies that have come as a result. Merci pour les témoignages qui sont venus comme un résultat. November has been a journey for me. Novembre a été un parcours pour moi. It's been a journey for you, I presume. C'est un parcours pour vous, je présume. We are still interested in hearing your testimony specifically. Nous sommes intéressés à écouter ton témoignage particulièrement. Because your testimony can encourage somebody. Parce que votre témoignage peut encourager plusieurs. Your testimony can bring out what God is doing that we are hiding. Votre témoignage va amener quelque chose que Dieu a fait que nous cachons. And specifically, we want to thank God for the grace to remember. Et spécifiquement, nous voulons remercier Dieu pour la grâce de rappeler. We want to thank God because since the beginning of this month, we have been casting our minds back and remembering. Nous voulons remercier Dieu parce que nous avons réculé nos pensées pour se rappeler. It's unfortunate that the month is so short, but otherwise there are so many things to remember. Malheureusement, le mois est très court parce qu'il y a beaucoup de choses à se rappeler. There are so many people to remember. Il y a beaucoup de gens à se rappeler. Only God knows how many phone calls have been placed in this month. Seul Dieu sait combien de calls de téléphone se sont promenés. Only God knows how many gratitude has gone out in this month. Dieu sait combien de reconnaissances sont parties ce mois. I don't know about you. Je sais pas pour toi. But there are some people I didn't even remember for years. I remember them this month. Il y a des gens pour lesquels je ne me suis pas rappelé pour des années, mais je me suis rappelé ce mois. My prayer is that all that God has started to do, that you're not fed up with the month in the name of Jesus. Ma prière, c'est que ce que Dieu a commencé à faire ne va pas tomber au nom de Jésus. We started the month by remembering our destiny helper. Nous avons commencé le mois par se rappeler des aides, des secours de notre destin. For many people, that list is uncountable. Pour beaucoup de gens, cette liste est incontable. It is a list that every day you think, you remember somebody. C'est une liste, chaque fois que vous rappelez de quelqu'un. Is it the person that helped you when you went to primary school? C'est la personne que vous avez dit quand vous étiez à l'école primaire. Is it the person that helped you when you were in high school, middle school? Est-ce la personne que vous avez dit quand vous étiez à l'école secondaire? Is it the teacher that helped you on the sports field? Est-ce qu'elle a le professeur qui vous a aidé au terrain de sport? Is it the friend that helped you that day that you had no food to eat? Est-ce l'ami qui vous a aidé avec la nourriture quand vous n'en avez pas? Is it the teacher that took special interest in you? Est-ce le professeur qui s'est particulièrement intéressé sur vous? Oh, is it the teacher that made sure that you are prepared for your entrance exam to the university? Est-ce le professeur qui vous a dit c'est rassuré que vous êtes préparé pour votre examen d'entrance à l'université? Oh, is it the friend that chose the university because of you? Est-ce l'ami qui a choisi l'université à cause de toi? Is it that friend that you met at the university that was like a brother that was waiting for you? Est-ce l'ami que vous avez rencontré à l'université qui était plus comme un frère que vous attendez? Oh, is it too much to remember? Est-ce beaucoup de se rappeler? The sister that you met when you got to university. La sœur que vous avez croisée quand vous êtes arrivé à l'université. That told you that don't do that, mommy, we don't like that. Et vous avez dit ne faites pas ça, maman n'aimera pas ça. Or are they the people that have helped you since you finished school? Ou ce sont les gens qui vous ont aidé depuis que vous avez démarré. People that have helped you since you've been working. Ou les gens qui vous ont aidé quand depuis que vous avez. Is it the person that wrote your very first reference for you? Ou c'est la personne qui a écrit la référence. La personne. The person that believed in you and gave you your first job. La personne qui vous a cru et vous a donné votre premier travail. Brother, the list goes on and on and on. La liste va au-delà et au-delà. Is it the man that looked at you? Est-ce l'homme qui vous a regardé? While you are going out with his sister. Quand tu allais, tu sortais avec sa sœur. And they ask you, what plan do you have for my sister? Et te demande quel est le plan que tu as avec ma sœur. Even though at that point, whatever plan you had was a mirage. Mais quand même à ce point-là, tout ce que tu avais comme un plan, c'était un miracle. But he believed in you, and so he allowed his sister to follow you. Mais il a cru en toi et il a permis à la sœur de vous suivre. Oh, is it the couple that stood by you through counseling? Est-ce le couple qui s'est tenu avec vous? Brethren, the list goes on and on and on. La liste va au-delà et au-delà et au-delà. And then the next week after that, we said that now that you remember, et là nous avons dit que maintenant que tu te rappelles,
that what is the value of your remembering if you don't do something about it? Quelle est la valeur de ta réalité des souvenirs si tu n'en fais rien? And that was when we said that everybody should make phone calls. C'est pourquoi nous avons dit que tout le monde doit faire des appels. Send emails. Envoyer des courriels. Send WhatsApp messages. Envoyer des messages WhatsApp. Find the contact number of those people. Trouver les contacts de ces gens. Your phone call will encourage them. Votre appel va les encourager. Your phone call will stir them onto good works. Votre appel va les exciter à un bon travail. And then the next week we said. Et la semaine qui suivait. That in all of these things, remember that those people yielded to the call of God. Dans toutes ces choses, rappelle-toi que c'est. And so we said it was time to remember God. C'était le temps de se rappeler Dieu. But then you can't remember God and remain the same. Mais nous ne pouvons pas nous rappeler de Dieu et rester le même. Because when you remember God, quand tu rappelles Dieu, then you will know that everything was against you. Et tu vas savoir que tout était contre toi. When you remember God, quand tu rappelles Dieu, you will know that you are the most unlikely to make it in life. Tu dois savoir que tu ne devais pas le faire dans la vie. And then you say, God, I thank you. And then last week, we talked about remembering the word of God. There's a reason we separated remembering God, which was his acts, from his word. Because the word of God stands forever. And the word of God, you can always go back to it. The word of God is such. La parole de Dieu est telle. That it is peculiar to each one of us. Il est particulier pour chacun. And so we remember all those things. Nous nous rappelons toutes ces choses. Unfortunately, today is the last day that I'm going to be talking about remembrance. Aujourd'hui, c'est le dernier jour que je vais parler de souvenirs. But by the grace of God, it is one of those things that God might bring us back to. Mais par la grâce de Dieu, c'est une des choses que Dieu va ramener. Because the more you remember, the more you realize that you owe your success to the world. Parce que de mieux vous rappelez, de mieux vous savez que votre succès dépend du monde. Today, aujourd'hui, we want to talk about remembering yourself. Nous voulons parler de se rappeler soi-même. At first sight, the topic might sound, I can't forget myself. Ça peut sonner comme si je ne peux pas m'oublier moi-même. But you'll be surprised by the grace of God when we finish that you realize that a lot of us have actually forgotten ourselves. Et quand nous allons terminer, vous allez réaliser que parmi nous, nous sommes oubliés. Today we want to talk about three basic things that God will give me the grace to go through. Aujourd'hui, on va parler de trois choses basiques que Dieu va me donner those la grâce. Those three parts. Ces trois portions. They are the parts that we will talk about when it comes to you remembering yourself. Ce sont des portions que nous allons parler quand il s'agit de toi-même, te rappeler de toi-même. Let us pray. Prions. Father, we thank you for this morning. We bless you, God, because you are faithful in all things. Thank you for this month of November. Thank you for your grace that is upon us. Thank you, Father, for the ability to remember. Thank you for your word that has gone forth even to accomplish that for which it has been sent. Thank you because your word is direct. Merci parce que ta parole est thank you because your word is sharp. Merci parce que ta parole est thank you because your word lives forever. Papa, ta parole demeure toujours. Thank you for the seed of the word. Merci pour la Father, de la as we have come today again, comme nous sommes venus encore aujourd'hui, we pray, Father, that you will speak to us. Nous prions que tu nous parles. Lord, as you speak, may we hear properly. Seigneur, quand on parle, in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank you, Father, for everything. Merci, Père, pour toutes choses. In Jesus' mighty name we pray. Dans le nom puissant de Jésus, on a prié. In Jesus' mighty name we pray. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. If you want to turn your Bible with me, si vous voulez tourner votre Bible avec moi, to the book of John, chapter 1. Dans le livre de Jean 1. John, chapter 1. Jean 1. Let's turn our Bibles together and then we will read together. Tournons nos Bibles ensemble. John, chapter 1. Jean 1. In John, chapter 1. Dans Jean 1. The Bible says, starting from verse 19. La Bible dit à partir du verset 19. It says that this was John's testimony. When the Jewish leaders sent the priests and temple assistants from Jerusalem to ask him. And they asked him the question, who are you? And he came right out and said, I am not the Messiah. Now, let me stop there first of all. Remember, when they asked him, who are you? They didn't make any suggestions. But there was something in their mind that John understood. And so John says, for your information, I am not the Messiah. Then verse 21, well then, who are you? They asked again, are you Elijah?
No, he replied. Are you the prophet that we are expecting? No. Then who are you? Now you will see that these people are very persistent. Ces gens sont persistants. They have asked the same question four times. Ils ont posé la même question quatre fois. And then the Bible now says that they said, we need an answer for those who sent us. Et la Bible dit, what do you say about yourself? Verse 23. John replied in the words of the prophet Isaiah. I am a voice shouting in the wilderness. Clear the way for the Lord's coming. That passage is found in Isaiah chapter 40, verses 3 to 5. Verse 24. Then the Pharisees who had been sent asked him, if you are not the Messiah, you are not Elijah or the prophet, what right do you have to baptize? Then John said, I baptize with water, but right here in the crowd is someone who you do not recognize. Though his ministry follows mine, I'm not even worthy to be his slave and untie the straps of his sandals. Let's flip over to Luke chapter 4. Allons à Luke 4. Luke chapter 4. Actually, you flip backwards to Luke chapter 4. Luke 4. Luke chapter 4. Luke 4. I will read some passages there from between verse 14 and verse 21. I will jump back and forth. Luke 4 verse 14. Then Jesus returned to Galilee, filled with the Holy Spirit's power. Verse 17. The scroll of Isaiah the prophet was handed over to him, and he unrolled the scroll and found the place where this was written. Verse 18. The Spirit of the Lord is upon me, for he has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim that captives will be released, that the blind will see, that the oppressed will be set free. Verse 19, and that the time of the Lord's favor has come. That's found in Isaiah chapter 61. And then in verse 21, he said, then he began to speak to them, saying, the scripture you've just heard has been fulfilled this very day. May the Lord bless the reading of his word. Dieu bénit son épouse en parole. And so, very quickly, because of time, rapidement à cause du temps, I said there are three parts that you are going to need to think about today. J'ai dit qu'il y a trois portions pour y réfléchir. And it is one of the lessons I have learned from long ago from John. C'est une des leçons que j'ai appris à longtemps. The Bible says that when they asked him, who are you? La Bible dit qu'on lui demanda, qui es-tu? Because John knew what was in their hearts, John opened his mouth and said, I am not. Parce que Jean connaissait qu'il était dans leur cœur, il a ouvert. But then the first thing you need to remember, la première chose que vous devez vous rappeler, is that you need to remember who you are not. Vous devez vous rappeler qui vous n'êtes pas. I will repeat that. You need to remember who you are not. Vous devez vous rappeler qui vous n'êtes pas. John, first of all, told them, he said, I am not the Messiah. John les a dit, je ne I am not Messiah. Elijah. Je ne suis pas Élie. I am not even the prophet. Je ne suis même pas le prophète. It was much later that Jesus Christ said, what did you go out to see? C'est après plus tard que Jésus-Christ dira, qu'est-ce que c'est? C'est un prophète. Un prophète. He said, I'm much more than a prophet. Je suis mieux qu'un prophète. John was humble enough that he did not even tell them that he was a prophet. Jean était assez humble pour but he told them that he was not the prophet. En le disant qu'il n'était pas le prophète. But then you need to understand that sometimes to know who you are, you need to know who you are not. Vous connaître qui vous êtes, vous devez connaître qui vous n'êtes pas. Sometimes to define a word, you need to know what that word is not. Par moment, pour définir la parole, vous devez connaître ce que la parole and parle. John gave us that example there. Et Jean nous a donné cet exemple. That to know who you are, you need to know who you are not. Pour connaître qui vous êtes, vous devez connaître qui vous n'êtes pas. Knowing who you are not allows you to stay in your lane. Connaître qui vous n'êtes pas vous met de vous ajuster. Knowing who you are not allows you to focus your energy on things that will not bring you fruit. Connaître ce que vous n'êtes pas, vous allez vous amener à ne pas vous concentrer sur ce for que vous example, par exemple, it is possible that you are not a good speaker. C'est possible que vous n'êtes pas un bon parleur.
It is possible that you are not a good writer. C'est possible que vous n'êtes pas un bon écrivain. It is possible that you are not good in a particular sport. C'est possible que vous n'êtes pas bon dans un particulier sport particulier. That is the beginning of knowing yourself. C'est le commencement de vous connaître vous-même. Number two. Deux. Once you know who you are not, si vous, quand vous connaissez ce que vous n'êtes pas, then you automatically begin to find out who you are. Automatiquement, vous cherchez qui vous êtes. I said, number one, you remember who you are not. Premièrement, vous vous rappelez qui vous n'êtes pas. And number two, you remember who you are. Deux, vous vous rappelez qui vous êtes. Now, from a Christian perspective, de la perspective chrétienne, you are the redeemed of the Lord. Vous êtes le redeemed. From a Christian perspective, pour les chrétiens perspective, you are seated in heavenly places with Christ Jesus. Vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ. From a Christian perspective, pour la perspective chrétienne, you are a child of God. Vous êtes un enfant de Dieu. From a Christian perspective, c'est du point de vue, you are the righteousness of God in Christ Jesus. Vous êtes la justice de Dieu en Jésus. From a Christian perspective, you are seated in heavenly places with Christ Jesus. Vous êtes dans les lieux célestes avec Christ. From a Christian perspective, pour la perspective, you have been blessed with all spiritual blessings in heavenly places. Vous avez été béni avec tous les dons spirituels. So knowing who you are, ce que vous êtes, is the second stage. C'est la deuxième étape. Because when you know who you are, si vous savez ce que vous êtes, then confidence comes. La confiance vient. Not only does confidence come, quand la confiance vient, then you know that with God, et vous savez qu'avec who is your father, qui est votre père, all things are possible. Toute chose est possible. When you know who you are, quand vous connaissez qui vous êtes, the devil cannot cheat you. Le when you know who you are, quand vous connaissez qui vous êtes, the world cannot change your identity. Monde ne peut pas vous embouchager. When you know who you are, quand vous connaissez qui vous êtes, then you'll be able to say, vous serez en mesure de dire, you may be like that. Vous pouvez être comme ça. You may be like the other one. Vous pouvez être comme celui-là. But I am who I am. Mais je suis celui que je suis. When you know who you are, quand vous connaissez qui vous êtes, then the world will not take you back and forth depending on what they want from you. Le monde ne veut pas vous déchirer de la manière. Oh, brother, when you know who you are, quand vous connaissez qui vous êtes, you wake up in the morning and look at the mirror. Vous levez le matin, vous regardez dans le miroir. Even though there are pimples all over your face, même s'il y a des gens sur votre face, you will say, I'm wonderfully and beautifully made. Vous direz que je suis merveilleusement créé. Because pimples does not define you. Parce que les gens ne vous définissent pas. When you know who you are, quand vous connaissez qui vous êtes, no man can tell you that you are not beautiful. Personne ne peut vous dire que vous êtes. When you know who you are, quand vous connaissez qui no vous êtes, no woman can tell you that God is not with you. Aucune personne ne vous dira que Dieu n'est pas and with you. And so when you have gone through the first stage, quand vous passez par le, and you realize who you are not, en définissant qui vous n'êtes pas, now let me say a few things about who you are not. Je vais dire quelque chose sur ce que vous n'êtes pas. The Bible says, as many as did receive him, he gave them the power to become the sons of God. Aussi beaucoup qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. As far as a child of God, you have no affiliation with the devil. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous n'avez pas d'affiliation. You are not a child of darkness. Avec l'enfant du devil. You are a child of destiny. Vous êtes un enfant du devil. You are not a child of defeat. Vous n'êtes pas un enfant de the défi. Bible says that you will be the head and not the tail. Vous serez la tête et non la queue. You might not be the head yet. Vous ne pouvez même pas être la tête. But when the Bible says you will be the head and not the tail, mais quand la Bible dit que vous serez la tête, it is a process. C'est un processus. Jesus did not identify himself until after 30 years. Jésus-Christ ne s'est pas identifié lui-même jusqu'à 30 ans. Brethren, when you know who you are, quand vous connaissez qui vous êtes, nobody can tell you that God will not answer your prayer. Personne ne vous dira que Dieu ne vous répondra pas à votre prière. When you know who you are in the place of prayer, quand vous connaissez qui vous êtes dans la prière, then you know, quand vous savez, that the Bible says, call upon me and I will answer. Que la Bible dit, invoquez-moi et je vous répondrai. When you know who you are, quand vous connaissez qui vous êtes, then you know that your body is the temple of God. Vous savez que votre corps, c'est le temple. When you know who you are, quand vous connaissez qui vous êtes, then you can tell every sickness in your body that they cannot park there. Que vous pouvez dire à toute maladie dans votre corps, vous ne pouvez pas demeurer là. When you know who you are, quand vous connaissez qui vous êtes, then you can start thinking of going to number three. Vous pouvez ensuite réfléchir pour aller. Before we get to number three, trois, I want to give you some few examples of people that knew what or who they were in Scripture. Je vais vous donner quelques exemples de quelques personnes qui connaissaient qui ils étaient. So that it gives you an idea of how a man or a woman that knows who they are, how they go about their daily activities. Pour vous donner une image de comment une femme ou un homme qui connaissent qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Number one. Premièrement. When Moses asked God, demandé, he said, who should I say sent me? Que he says, tell them the I am sent you. Dis,
dis-le que le je suis. He said, tell them that the self-sustaining one sent you. C'est lui qui se tient par lui-même t'a envoyé. When Moses was going, quand Moïse était en train de partir, he looked at the journey in the desert. Il a regardé le parcours dans le désert. He thought to himself, il s'est pas dit lui-même, even if we escape, même si nous fuyons, how are we going to make it through this desert? Comment allons-nous pas faire dans as he was thinking of that, quand il était en train de penser à ça, he came back to his mind, il est venu à cette that the self-sustaining one will be with you. Que celui qui se soutient lui-même, if it's a self-sustaining one, it means in the desert it can make waters to come. Même dans le désert, il peut it means in the desert it can make rivers to flow. Même dans le désert, il peut créer une and so God introduced himself and says, I am whatever you say I am. Je suis celui que tu dis. If you say I'm your provider, I will provide for you. Même en tant que pour if you say I'm your healer, I will heal you. Si vous dites que je suis votre guérisseur, if you say I'm your friend, I will be your friend. Si vous dites que je suis votre ami, c'est votre ami. I am fill in the gap. Je suis rempli le vide. I like that title. J'ai ce titre. Because that title does not limit God. Ce titre ne limite pas Dieu. Because that title allows me to fill in the gap. Ce titre me permet de remplir le vide. So that when I'm afraid, même quand j'ai peur, as a human being, comme un homme, I know that is on my right side. Je connais qu'il est à ma droite. The I am says I am right there. Le je suis dit que je suis là. It means that when I want to pass through the waters, quand je vais passer au travers de l'eau, he says, I will be with you. Il dit que je serai avec toi. And so the I am introduced himself to Moses. Le je suis s'introduisant. Because of time, I will tell you number two about Jesus. À cause du temps, je vous parlerai de Jésus. Jesus knew who he was. Jésus-Christ savait qui il était. In fact, Jesus was so close to God. Jésus-Christ était très proche de Dieu. Seven different times in the book of John. Sept fois dans le livre de Jean. He used the title I am. Il utilise le titre je suis. If you start from John chapter 6 verse 35, si vous connaissez, si vous commencez all the way to John chapter 15 verse 5, jusqu'à Jean 15, seven different times, John records, sept fois, God Jesus said number one, I am the bread of life. Jésus-Christ dit, je suis le pain de vie. He said number two, I am the light of the world. Je suis la lumière du monde. He said number three, I am the door. Je suis la porte. He said, number four, I am the good shepherd. He said, number five, I am the resurrection, I am the life. Je suis la he said, number six, I am the way, I am the truth, I am the life. Je suis le chemin, and then number seven, he said, I am the vine. Je suis là. When you put all of those things together, you find that everything that you need in life is embedded in those things. Not only did he tell us those things, on one occasion, a king asked him, he said, by the way, sir, they say you are king of the Jews. He said, you have said so. On another occasion, he asked the disciple, who do you say I am? They said that you are the Christ. And then we know that he is God in the flesh. And so Jesus knew who he was. Jésus-Christ savait qui il est. And more importantly, Jesus knew why he came. Et plus important, Jésus savait pourquoi il est venu. Other people wrote about him. Deux gens ont écrit sur lui. One person said that this reason, for this purpose, the Son of God was manifested that he might destroy the work of the enemy. Pour cette raison, le Fils de l'homme s'est manifesté pour détruire le travail du diable. Another one said in John chapter 10. L'autre dit en Jean 10. He said he has come to give believers a rich and satisfying life. Il vient pour donner aux croyants une vie riche. So God knows who he is. Dieu sait qui il est. Jesus knew who he was. Jésus-Christ savait qui il était. Jesus knew why he came. Jésus-Christ savait pourquoi il est venu. When number three. Trois. When Peter. When Christ asked him, quand Christ lui demanda, he said, who do men say I am? Qui est-ce que les hommes disent que je suis? I said that you are the Christ. Et que tu es le Christ. Suddenly Jesus answered. Soudainement, he said, upon this rock I will build my church. It is interesting that out of Peter, James, and John, Pierre et Jean, et James, that Jean. Peter was the only one that did not write anything specifically about why he came. Pierre est le seul qui n'a pas écrit quelque chose spécifiquement pour but Jesus told him, mais Jésus-Christ lui dit, he said, upon this rock, I will build my church. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Oh, why did James write the book of James? Pourquoi Jacques a écrit le livre de Jacques? James wrote the book for the scripture to be complete. Jacques a écrit le livre pour que les écritures soient complètes. Because he says that practical action is the life of faith. Il dit,
L'action pratique, c'est la vie de foi. It was James. C'était Jean. That told us and encouraged us to pursue a life of holiness. Il nous a convaincus de suivre la vie de sainteté. It was James that said, a life that does not produce real life changes is worthless. C'est Jean qui a dit, une vie qui ne produit pas une transformation de la oh, vie. Oh, when you go to John the Beloved. Quand nous allons à Jean, oh, John the Beloved, in John chapter 20 and chapter 21. Jean 20 et 21. He concluded his book. Il conclut le livre. And he said, Jesus performed many other miracles apart from the ones that I have written here. Jésus-Christ a performé beaucoup d'autres miracles en dehors de ce que j'ai écrit ici. He said, the many that have been performed, les beaucoup qui ont été performés, I wrote this one so that you may believe. J'ai écrit ceci pour que vous croyez. He said, but if I were to write everything, that there is no place in the world where that they can contain it. I did not know that John was a prophet. Je ne savais pas que Jean était un prophète. Because every library now is still full of new books being written about Christ. Parce que toutes les librairies maintenant sont remplies de livres écrits sur Jésus. Brethren, Peter, James, and John. Pierre, Jacques et Jean. They decided to spread the message to the Jews. Ils ont étendu le message aux Juifs. They wanted to try with the Gentiles. Ils ont essayé avec les gens. Unfortunately, they were not successful. But God raised up a man. Mais Dieu a levé un homme. His name was Paul. Son nom était Paul. He told us by himself. Il nous a dit par lui-même. He said, I have been appointed to be a preacher to the Gentiles. I am coming and I'm making my point here so that you will understand my number three point. Je fais des points pour que vous compreniez mon point 3. He said, when I go to the Gentiles, quand je vais vers les païens, he said, I will make the Jews jealous. Je vais rendre les Juifs jaloux. And therefore save some of them. Et pour par conséquent sauver certains parmi eux. Then let us read Paul. What did Luke say about himself? Qu'est-ce que Luke a dit sur lui-même? Oh, Luke said, I have carefully investigated everything. Luke a dit, j'ai investigué soigneusement. And therefore I have decided to also write chronologically the things that happened. Je veux aussi écrire chronologiquement les choses qui sont produites. But Luke was a very systematic writer. Mais Luke était un écrivain systématique. When he got to the book of Acts, quand vous allez dans le livre de Actes. He said in my former book, dit, dans mon livre, I wrote about all that Christ began to say and to do. Écrit sur ce que Jésus-Christ disait et faisait. And then he linked it with the Holy Spirit. Et il a lié avec le Saint-Esprit. And then he talked about how Christ told his disciples to wait for the gift of the Holy Spirit. Il a dit comment est-ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples d'attendre. And then he got to that popular verse. Ce verset populaire. Acts chapter 1 verse 8. Acte 1:8. That you will receive power. Que vous recevrez la puissance. After that, the Holy Ghost will come upon you. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit. And then you will become my witnesses. Et vous deviendrez mes témoins. So, brother number one, you remember who you are not. Premièrement, vous rappelez qui vous êtes. Number two, you remember who you are. Deux, vous rappelez qui vous êtes. And number three, et trois, you remember why you are here. Vous vous rappelez pourquoi vous êtes là. I will repeat it. You remember why you are here. Je répète, vous vous rappelez pourquoi vous êtes là. As a young man, you remember why you are here. Et comme un jeune, vous vous rappelez pourquoi vous êtes là. As a young lady, you remember why you are here. Comme une jeune femme, vous vous rappelez pourquoi vous êtes là. As a married couple, you remember why you are here. Comme un couple, vous vous rappelez pourquoi vous êtes là. As the leader of the church, you remember why you are here. Au milieu de l'église, vous vous rappelez pourquoi vous êtes là. As somebody that is a member of the church, you remember why you are here. Comme un membre de l'église, vous vous rappelez pourquoi vous êtes là. Brethren, your why is the only thing that will count when you get to heaven. Votre pourquoi, c'est la seule chose qui va compter quand vous arrivez au ciel. Everything else toute chose is just part of the supporting act. C'est juste pour supporter. You know, when you watch a movie, quand vous regardez un film, there is the main actor. Il y a l'acteur principal. The main actor is the one that you follow. L'acteur principal est celui que vous suivez. Whatever the actor says or does is what matters more in the movie. Ce que l'acteur dit et fait, c'est ce qui est important dans le film. But then you will notice that there are some distractions. Mais vous noterez qu'il y a des distractions. There are some other scenes that you will see that does not add or remove from the main character. Il y a certaines scènes que vous voyez qui n'ajoutent, qui ne retouchent pas du caractère. But then you need to find a way to remove the distractions. Vous devez enlever les distractions, frère. So that you can focus on the why. Pour que vous allez focaliser au pourquoi. Why am I here? Pourquoi suis-je là? Why did God allow me to go to school to learn psychology? Pourquoi Dieu m'a permis d'aller étudier la psychologie? Why did God allow me to go to school to learn business administration? Pourquoi Dieu a permis que j'aille étudier la psychologie? You need to keep asking the question, why?
Pourquoi la question, why does God allow me to work in the bank? Pourquoi Dieu a permis que je why does God allow me to work in the school? Pourquoi Dieu a permis que je why does God allow me to work in the hospital? Pourquoi Dieu a permis que je why does God allow me to work in the church? Pourquoi Dieu a permis que je why has God given me these children? Pourquoi Dieu m'a donné why has God allowed teenagers to be comfortable with me? Pourquoi Dieu a permis que les why has God allowed young adults to be comfortable with you? Pourquoi Dieu a permis aux jeunes adultes d'être confortables avec moi? The more why you can ask, le plus de pourquoi vous demandez, the faster you have the way to fulfill in the why. Le plus rapidement vous accomplissez le pourquoi. Very quickly, I will list you 10 characteristics of your why. Rapidement, je vais lister 10 I will list you 10 characteristics of your why. 10 caractéristiques du pourquoi. So that every time you remember yourself, pour que toutes les fois que vous rappelez vous-même, you remember these things. Vous rappelez ces choses. Because these things are the things that you need to keep at the back of your mind. Ces choses sont des choses que vous devez garder dans vos mémoires. For you to be able to do the thing that God sent you here to do. Pour être en mesure de faire les choses dont Dieu vous a envoyé pour faire. Number one. Premièrement. Your why is unique. Votre pourquoi est unique. I'll say that again. Your why is unique. Je le dirai encore. Votre pourquoi est unique. And it is unique to you. Et c'est unique à vous particulièrement. The why for Samson. Le pourquoi de Samson. Is different from the why for Gideon. Et différent du pourquoi de Gideon. Is different from the why for Samuel. Il est plus différent du why de Samuel. Is different from the why for David. Il est différent du pourquoi de David. Is different from the why for Saul. Il est différent du pourquoi de Paul. Your why is unique to you. Votre pourquoi est unique pour vous. I cannot stress, and that is why I made that number one. C'est pourquoi je le fais dans le premier. Because if you look to the right, parce que quand vous regardez à votre gauche, you will see that the next person's why is different from yours. Vous verrez que l'autre personne if you look to the left, si vous regardez à votre droite, if you look in front of you, si vous regardez en face de vous, the next person's why will always be different from yours. Et pourquoi que l'autre est toujours différent du sien. And that is why you cannot follow others to find out your why. C'est pourquoi vous ne pouvez pas suivre les autres pour découvrir votre pourquoi. I will get to that later. Je vais y arriver. But I want you to put it in your head and remember every day. Je veux que tu te rappelles tous les jours. That my wife for today is different from my wife's wife for today. Mon pourquoi d'aujourd'hui est différent du pourquoi de ma femme pour aujourd'hui. My wife for coming to church today is different from your wife for watching at home. Mon pourquoi d'être à l'église aujourd'hui est différent de votre pourquoi en regardant la maison. I am here delivering the message that God has given me. Je suis ici en train de donner le message que Dieu m'a donné. That is why I'm in church today. C'est pourquoi je suis à l'église aujourd'hui. But you are at home and the few of us that are here, you are here to receive the word. Et vous êtes à la maison et les quelques qui sont ici, vous êtes là pour recevoir. So my why will always be different from your why. Mon pourquoi sera différent de votre pourquoi. Because of time, let us go to number two. À cause du temps, allons au deux. Your why is determined by God. Votre pourquoi est déterminé par Dieu. But it is given to you as a raw gift that must be polished. Mais ce vous est donné comme un don. Your why is determined by who? God. Votre pourquoi est déterminé par Dieu. And given to you as a gift that must be polished. Comme un don. I'm going to run through the points. I might not explain all of them into details. Je peux ne pas expliquer tous les points en détail. Now, you will notice that when Samson was given his strength, quand Samson était renforcé, it came in the raw form. Il est redevenu dans la forme. It was raw strength. Il a dans sa force. Samson could not go places because he refused to polish the gift. Samson ne pouvait pas aller parce qu'il a refusé de diminuer le don. Your why is determined by God. Votre pourquoi est déterminé par Dieu. And given to you as a raw gift that must be polished. Et vous êtes donné comme un don. When God called Moses. Quand Dieu appela Moïse. Moses was in the raw form. Moïse était dans une forme matérielle. And so naturally he made a mistake. Naturellement il a fait une erreur. God allowed him to go to the wilderness for 40 years. Dieu l'a permis d'aller dans la chasseresse pour 40 ans. To learn how to use the gift properly. Pour apprendre à utiliser les dons proprement. Number three. Why? Your why is that annoying idea or recurring dream.
Votre pourquoi, c'est cette idée. It is that annoying, and I call it an annoying idea. C'est cette idée annoyante. It is an idea that you can't get out of your mind. C'est une idée que vous ne pouvez pas vous débarrasser. The more you try, the more it bothers you. Les mieux vous essayez, les mieux ça vous inquiète. And for some of us, it is a dream that you have constantly. Pour certains parmi nous, c'est le rêve que tu as constamment. But everybody remembers the story of Joseph. Tout le monde se rappelle de l'histoire de Joseph. The Bible records two occasions when Joseph had a dream. La Bible se rappelle de deux occasions quand Joseph avait un rêve. Now, this is just a disclaimer. I personally do not believe c'est un dilemme, je n'ai pas personnellement that a man will have been called a dreamer for just two dreams. Que quelqu'un peut être appelé un rêveur pour seulement deux rêves. I personally believe je crois personnellement that Joseph must have had continuously dreaming about his wife. Joseph a continué à rêver sur son pourquoi. The dream was so much that Joseph could not ignore it. Les rêves étaient assez que Joseph ne pouvait pas les ignorer. The idea was so annoying. L'idée était annoyante. That Joseph had to share the idea. Que Joseph devait partager l'idée. And so I want you to understand. Je veux que tu comprennes. Oh, do you have a dream that keeps coming? Avez-vous un rêve qui continue à venir? You better pay attention to the dream. Vous devez tenir attention à votre rêve. Do you have an idea for a business that keeps coming? Avez-vous une idée d'une affaire? You better pay attention to the idea. Vous devez tirer attention à l'idée. Oh, your why will not come out as a flash from heaven. Votre pourquoi ne viendra pas comme un flash du ciel. Your why will come as a billboard on the road. Votre pourquoi viendra comme une boîte. But it is a billboard that you will not be able to get out of your mind. C'est une boîte que vous ne pouvez pas vous débarrasser. Your why may come as an advert on TV. Ça viendra comme une publicité à la télé. But you will never be able to get the picture out of your mind. Mais vous n'aurez pas, vous ne pouvez pas so vous débarrasser. If you want to know your why, si vous voulez connaître votre pourquoi, maybe you need to start journaling, start writing down things. Peut-être vous pouvez commencer le journalisme. I say, how many times in a day does this idea come to my mind? Combien de fois en une journée cette idée me vient à l'esprit? Now you are getting close to your why. Maintenant vous vous approchez de votre pourquoi. Number four. Quatre. Your why is something that you already have. Votre pourquoi, c'est quelque chose que vous avez. It's something you already know. Quelque chose que vous connaissez. It's something you already do. Quelque chose que vous faites. Or it could be something you are going to become. Ou quelque chose que vous deviendrez. Get this part that somebody else needs. Prends cette partie que quelqu'un d'autre a. I'll say it again. It is something you already know. Quelque chose que vous connaissez déjà. Something you already do. Quelque chose que vous avez déjà fait. Something you already have. Quelque chose que vous avez déjà. Or something you are going to become. Ou quelque chose que vous deviendrez. That somebody else needs. Que quelqu'un d'autre a besoin. For 30 years. Pour ses oreilles. Jesus cherished his gift. Pour ses années, Jésus-Christ a chéri son don. For my benefit. Pour mon bénéfice. Either I was saved or not, did it change who Jesus Christ was? On n'a pas changé qui Jésus-Christ était. Sauvé ou pas, ils n'ont pas changé qui Jésus-Christ était. But his why. Mais c'est pourquoi. Was something he became. Quelque chose il est devenu. That will benefit my own life. Qui a bénéficié ma propre vie. That will benefit your own life. Qui a bénéficié votre propre vie. So if you think that your why is going to be something that will benefit you, si vous pensez que votre pourquoi c'est quelque chose qui va bénéficier, you may be thinking in the wrong place. J'étais en train de réfléchir mal. I have realized over the years. J'ai réalisé par les années. That whatever benefits others, ce qui bénéficie les autres, is what naturally brings success. C'est ce qui amène la réussite. You know why you think about it? Quand vous pensez de ça. Recently, a footballer died. Récemment, and everybody has been talking about the footballer. Tout le monde parlait des footballeurs. But God knows how many millions of people are glued to their TV to watch this footballer bring joy to their home. Dieu en seul Dieu sait combien de millions de gens vont à leur télé pour regarder ce footballeur. His gift, son don, was something that God he was born with. C'est quelque chose avec lequel il est né. Something he developed by kicking oranges around. Quelque chose qu'il a développé en shootant. And then he finally got to the world stage. Et c'est allé vers le monde, le stage mondial. And then you, et vous, and me, et toi, pay a subscription to watch him on TV. Payons des subscriptions pour regarder à la télé.
Because he decided to serve his gift to the world. Parce qu'il a décidé de servir son don au monde. The only thing is that when you are serving your gift, you are enjoying yourself. La seule chose c'est que quand vous servez votre don, vous vous réjouissez. But it's others that are benefiting from it. Mais ce sont les autres qui en bénéficient. Number five. Cinq. Your why is not limited by the place and the timing of your birth. Le temps n'est pas limité par l'endroit et le temps de votre naissance. Your why is not limited by the place or the timing of your birth. Votre pourquoi n'est pas limité par l'endroit et le temps de votre naissance. I remember when Jesus Christ was born. Je me rappelle quand Jésus-Christ était né. The Bible says that Herod said, no other king can be born here. La Bible dit qu'Hérode a dit. He said, whatever you do, go out and kill every child that is less than 2 years old. But God had a plan for him. Mais Dieu avait un plan. And so nobody can kill your gift. Personne ne peut tuer votre don. The place and the timing of your birth does not matter. L'endroit et le temps de votre naissance n'est pas concerné. It doesn't matter how backward the country is. It doesn't matter how forward the country is. There will be people in a developed country that their life may not benefit others. And there will be people in a developing country that their life will benefit many. The place and the timing of your birth doesn't matter. L'endroit et le moment de votre naissance n'est pas concerné. Number six. Your why is not limited to the place where you live now. Votre pourquoi n'est pas limité à l'endroit où vous vivez. I want to say that very clearly. Your why is not limited to the place where you live now. Je vais le dire clairement. Votre pourquoi n'est pas limité à l'endroit. Remember when Jesus Christ came back with Joseph, his father? Rappelez-vous quand Jésus-Christ est rentré avec Joseph, son père. The Bible says that when he noticed that Herod was still on the throne, la Bible dit que quand il a noté Herod, he went and lived somewhere else. Il est allé vivre quelque part d'autre. And that place that he went to live was where Jesus now grew up. Là où il est allé vivre, c'est là où Jésus-Christ a grandi. But because the gift could not be hidden, mais parce que le don ne pouvait être caché, the place where Jesus was did not matter. La place où Jésus-Christ était n'est pas connue. When he went to Capernaum, the gift came out. Quand il était à Capernaum, when he went to the ten cities, the Decapolis, the gift came out. À densité, le don est manifesté. Everywhere he went, the gift spoke up. Partout où il était, le don a parlé. I'll give you just one example because I'm a soccer fan. Je vais vous donner un exemple parce que je suis un fanatique du football. I remember that in those days, je me rappelle que ces gens. The so-called legendary Pelé. Le légendaire Pelé. He came to Nigeria to play. Il est venu au Nigeria pour jouer. That was in 1978. C'était en 1978. And you could see that even though he was a Brazilian, vous pouvez voir que comme un Brésilien, when he stepped on the field in Nigeria, he was still the same. Quand il était sur le terrain au Nigeria, il était le même. Do you understand what I'm saying? Comprenez-vous ce que j'ai dit? Your gift is not limited by the place where you are. Votre don n'est pas limité par la place où vous êtes. Number seven. Sept. Your why. Votre pourquoi. Which is the function of your gift. Qui est l'appel de votre will don. Will always be an action that you need to perform. Sera toujours une action que vous devez performer. That is what your why will. It will always be something that you need to do. C'est quelque chose que vous devez faire. Your why is such. That God will lead you until you begin to do it. When you go through scripture, Jesus knew that I have come to the world to save mankind. But he knew that he had to die. It was something he had to do. And so if you were to ask Jesus, why did you come? He said, I came to save man. Je suis venu sauver les hommes. He said, but in the process, I must die. Mais dans le processus, je vais mourir. And that was why I kept on telling them c'est pourquoi j'ai continué à leur dire that the Son of Man must be betrayed into the hands of his enemy. Le Fils de l'homme va être trahi dans les mains de l'ennemi. It will be an action that you have to pursue. Ça veut dire une action que vous devez faire. Number eight. Oui. I hope somebody is getting something from this. Je crois que quelqu'un because whenever you remember yourself after today,
Quand vous rappelez vous-même après. I want you to be able to say if you are walking in line with why you are here or if you are not. Je veux que vous soyez en mesure de dire si vous travaillez en ligne avec pourquoi vous êtes là ou vous n'êtes pas. I want by the end of 2021. Je veux que par la fin de 2021. When we look back, quand nous regardons en arrière, you'll be able to say, ah, I remember. Vous serez en mesure de dire, oh, je me rappelle. That on the 29th of November 2020, my life changed. Le 29 novembre 2020. My prayer is that you begin to walk in the light of what God wants you to do. Ma prière c'est que tu vas marcher dans la voie de Dieu. Number 8. Huit. Your why will always be a selfless act. Votre pourquoi sera un acte indépendant de vous. That will be your why. C'est ça votre pourquoi. I remember the prayer of Solomon. Je me rappelle la prière de Salomon. Solomon said, God. Salomon dit. I know that the reason why I'm here is that I will be a good ruler of your people. Je sais que la raison pour laquelle je suis là, c'est que je serai un bon dirigeant des gens. But I need wisdom for it. J'ai besoin de la sagesse pour ça. The wisdom. In fact, let me tell you the truth. Go and read the story of Solomon. Va lire l'histoire de Salomon. The story of Solomon is one of the strangest stories in Scripture. C'est une des histoires étranges des Écritures. Solomon had enough wisdom to rule the old nation. Salomon avait assez de sagesse pour diriger une nation. But he lacked wisdom to rule himself. Mais il n'avait pas de sagesse pour se diriger lui-même. And so, the why for Solomon, le pourquoi de ça pour Salomon, was that he will be a king that after him, nobody will measure up to his level. Il sera un roi qu'après lui, personne n'arrivera à sa dimension. Now, why am I emphasizing on this one? Pourquoi je suis en train d'insister sur ça? You are praying for the gift of the Spirit. Vous priez pour le don de l'Esprit. If you are praying with the heart of using it for yourself, you won't get it. Si vous priez avec un cœur de l'utiliser pour vous-même, vous n'allez pas l'avoir. The Bible rightly says there. La Bible dit justement que that whoever prophesies edifies. Celui qui prophétise encourages. Encourage. So it is to do for other people. C'est faire pour les autres. For example. Par exemple. If you are a prophet. Vous êtes un prophète. And you can go to somebody and say, "Thus saith the Lord." Et vous allez à quelqu'un dire, ainsi dit l'Éternel. Either God says or not, it is not helping the prophet. It is helping the person that the message is going to. Que Dieu l'ait dit ou pas, ça n'aide pas le prophète. Ça fait ça, ça l'aide au bénéfice du message. Because of time, let me go to number 9. Par cause du temps, 9. Now, number 9 is one of the encouragements you get from knowing your why. C'est l'encouragement. Because your why will remove every limitation of your eyes. Votre pourquoi enlèvera toute limitation de vos yeux. Every limitation of your mind. Toute limitation de vos pensées. And give you a glimpse of what the future could be. Et vous donnera une allure de ce que le futur sera. It will give you a glimpse of what the future could be. Ce vous donnera un empreinte de l'avenir. The Bible says, because Jesus Christ submitted himself to the death on the cross. La Bible dit que parce que Jésus-Christ s'est soumis. That God has given him a name that is above every other name. Et Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. For the glory that was set before him. Pour la gloire qui était précédente. He knew ahead of time. Il connaissait avant le temps. That if I go through these things, this is what will happen. Que si je pars au travers de ces choses, voici ce qui va se passer. Your why gives you a future that is better than where you are now. Votre pourquoi vous donne un avenir meilleur que votre présent. Your why gives you a future that is preferred to where you are now. Votre pourquoi vous donne un avenir préférable que votre présent. Let me go back to Joseph. When Joseph had his dream, Joseph avait un rêve. It was just a small boy in the house. C'était un petit enfant dans la maison. It was the one that stayed with his father. C'est celui qui restait plus avec son père. Suddenly, when he had his dream, soudainement, quand il a eu un rêve, he realized that his father could stay with him. Il a réalisé que son père pouvait rester avec lui. He realized that instead of his father being his source, he would become the source for his father. Il a aussi, au lieu que son père soit une source, il était la source de son père. He realized. Il a réalisé that what he was seeing, que ce qu'il voyait, when eventually comes to pass, is a good thing. Comment ça s'est produit, c'était une chose bonne. Brethren, your why in life, votre pourquoi dans la vie, frère, will always see beyond your eyes can see. Verra toujours au-delà de vos yeux. In fact, let me tell you the truth. Je vais vous dire la vérité. If your why cannot see beyond your eyes, it is not from God. Quand votre pourquoi ne voit pas au-delà de vos yeux, c'est because your why must be greater than you. Parce que votre pourquoi doit être plus important. Remember, the Bible says, rappelez-vous que la Bible dit, God told Abraham,
Dieu dit à Abraham, he said, lift up your eyes now. Regarde, ouvre tes yeux maintenant. And see. Et regarde. And then the Bible says that God told him, try and count the stars. La Bible dit que Dieu lui dit, compte les étoiles. I don't know about you, if you are trying to count the stars, by the time you count the ones on this side, by the time you come around, you forget where you started from. Je ne sais pas à propos de toi. Quand vous comptez les étoiles d'un côté, le temps d'aller de l'autre côté, vous... Meaning that it is actually impossible to count the stars. C'est impossible de compter les étoiles. And then God said, maybe this guy is not getting it. Et Dieu dit, ces gens ne comprennent pas. He says, look at the sand on the ground. Regarde le sable sur le sol. If you want somebody to do meaningless work, si vous voulez que quelqu'un ne fasse pas un travail important, tell them to take just a handful of sand and count how many grains there are. Demande-lui de prendre juste un poignet de sable et demande-lui de compter ce sable. And then God said, you see all the sand in front of the sea. Et regarde, regarde tout le sable. All the sea that you can see. Tout le sable que tu vois. And so even if Abraham tried, même si Abraham a essayé, it started on Monday. Il allait commencer le lundi. He counted and stopped. He had drew a line. By the time he woke up the next day, he realized that the water has washed some of the sand to the one that he has counted. He says it's a waste of time. I get the message. What God is saying is that what is going to make me is something that I can't imagine. Number 10. Peace. And this part is very important. Number 10. Ça, c'est important. Peace. Your why can only be discovered by you. Votre pourquoi ne peut être découvert que par vous. I'll say that again. Your why can only be discovered by you. J'insiste. Votre pourquoi ne peut être découvert que par vous. Mais. It can be confirmed by others. Ça peut être confirmé par les autres. Now, let me say that again. J'insiste. Your why can only be discovered by you. You. Votre pourquoi ne peut être découvert que par vous. But. Mais. God, in encouraging you, can allow others to confirm it. Dieu, en vous encourageant, il peut permettre aux autres de le confirmer. I'll give you a few examples as time permits me. Je veux vous donner quelques exemples, si vous en permettez. The Bible says in the book of Acts, I think it was chapter 10. La Bible dit dans le livre de Actes. The Saul of Tarsus was on the way to Damascus. Suddenly he had his encounter that we all know about. Soudainement, il a rencontré, and then God spoke to Ananias. Et Dieu a parlé à Ananias. And said, Ananias, Ananias, I want you to go to this man. Je veux que tu ailles vers cet homme. I have chosen him as a vessel unto me. Je le veux utiliser comme une vessel pour moi. And I asked myself, but God did not tell Saul that. Mais Dieu n'a pas dit à Saul ça. But because God is complete. Parce que Dieu est complet. By the time we got to chapter 26, quand vous arrivez au chapitre 26, Saul was standing in front of the king. Saul était devant un roi. And he gave an account of what happened. Et il a fait rapport de ce qui s'est passé. And by the time he got to, I think it was verse 18, verse 19. Quand vous arrivez au verset 18, 19, he says, oh king. Il dit, oh roi. When I was on the ground, quand j'étais sur le sol, I was told that I was being chosen as an apostle to the Gentiles. If God told him that immediately, si Dieu lui a dit ça immédiatement, it means that Ananias was only coming to confirm what God had told him. C'est-à-dire Ananias était en train de venir confirmer ce que Dieu lui a dit. And then he said, "O king." Il a dit, "Oh roi." I was not disobedient to the heavenly vision. Je n'étais pas désobéissant à la vision. Brethren, if I give you a vision, you can be disobedient. But when God himself gives you a vision and I confirm it, then you know that God is working with you. Oh, there are many other examples that you can give. Where you will know that God will first of all go to somebody and say, this is what you need to do. And then somebody else will confirm it. Brethren, as we end this series, I want you to remember very well that the last person you can forget is yourself. It is you that will go to next year. It is you that will still be with God. It is you that God has called. It is you that God has given your wife. It is you that God has given the gift.
It is you. C'est toi. That God is telling today to remember. Que Dieu dit. It is you. C'est à toi. That God is saying to today. Que Dieu est en train de dire aujourd'hui. That remember. Rappelle-toi. You are unique. Tu es unique. Your reason for being here is unique. Ta raison pour être là est unique. No man has the authority to tell you why you are here. Non, aucun homme n'a l'autorité de vous dire pourquoi vous êtes là. But they can confirm why you are here after God has shown it to you. Mais ils peuvent confirmer pourquoi vous êtes là après que Dieu vous l'ait montré. Apostle Paul ends with a very good way in Romans chapter 12. Apostle Paul a terminé avec une bonne façon en Romains. And that is where I'm going to end the sermon today. C'est là que je vais terminer la prédication d'aujourd'hui. He says in verse 2. Il dit au verset 2. He said, don't copy the behavior and the customs of the world. Ne copie pas les comportements et les coutumes du monde. He said, but let God transform you into a new person. Mais que Dieu te transforme en une nouvelle personne. And then I love how he ended that sentence. Et j'aime la façon que la phrase termine. He said, by changing the way you think. En changeant la manière que vous pensez. Brethren, stop waiting for a prophet to tell you your destiny in life. Frère, attendez, arrêtez d'attendre un prophète pour vous dire la destinée de votre vie. Stop waiting for a soothsayer to tell you your destiny in life. Ne n'attendez pas un voyant pour vous donner la destinée de votre vie. In fact, let me tell you the truth. Et je vais vous dire la vérité. A soothsayer cannot see beyond his level. Un voyant ne peut pas voir au-delà de son niveau. A soothsayer can never see to the level of God. Un voyant ne peut pas voir à la dimension de Dieu. You go to a soothsayer, he will tell you at his level that you cannot pass him. Quand vous allez chez le voyeur, il va vous dire à sa dimension que vous ne pouvez pas passer. And the reason he will tell you that is because if you pass him, why will you go back to him? La raison, c'est que quand vous le dépassez, pourquoi vous allez rentrer là? So children of God, I want you to remember enfant de Dieu, je veux que vous vous rappeliez that God loves you so much. There is something inside you that God put in you. Dieu vous aime tant qu'il y a quelque chose dedans de vous que Dieu a mis. And that thing is picking up every day. Et ça parle. That idea is not allowing you to rest. Cette idée ne ferait pas de that dream keeps coming up. Ça continue à venir. That thing, I can call it a thing. That thing. Cette chose, je peux l'appeler chose. Cette chose. Keep bothering you. Continue à vous embêter. Pay attention to it. Tirez attention sur ça. Because your why in life. Parce que votre pourquoi dans la vie. Which is what you will give account on the day when you get to heaven. Quel est le rapport que vous allez donner quand vous allez au ciel? May just be that thing that is disturbing you. C'est la chose qui vous maintient. Every other thing may be a supporting part of the act. Toute chose peut être supportant là. But what God is going to look for at the end. Mais c'est que Dieu va chercher à la fin. He's going to say, I tried to speak to you directly. D'essayer de dire, j'ai essayé de vous parler directement. I sent somebody to talk to you. J'ai envoyé quelqu'un pour vous parler. I allowed you to sit on the billboard on the street. J'ai permis que vous vous asseyez dans la rue. It will remind you that remember that day when you put on your TV, something spoke to you from the TV. Je dirai, je te rappelle-toi que quand tu as ouvert ta télé, c'est it's going to tell you, remember that day when you logged on to Facebook. Quand tu es entré sur Facebook, suddenly something jumped on you. Something jumped out to you. Soudainement, quelque chose a sursauté sur vous. Brethren, I submit to you, there is no way that God cannot speak. Je vous confie, but il you pas have une que Dieu peut to parler. Remember every day. Rappelez-vous tous les jours. Who you are not. Ce que vous n'êtes pas. Who you are. Ce que vous êtes. And why you are here. Et pourquoi vous êtes là. Let's rise and ask it. Thank you because you reserve this part, O God, for us. Lord, let life be transformed today. Lord, as many as have been walking on the wrong path, I pray that today they begin to walk on the right path. In the name of Jesus, as many as are trying to satisfy the why of somebody else, Lord, correct them. As many as already satisfying their own wives, O God. Lord, help them. Let there be revelation. Let there be illumination. In the name of Jesus. Lord, all these points that we have counted, O God, I pray that your children will remember always. In the name of Jesus. Lord, as your children go today, we commit them into your hands. Quand les enfants rentrent aujourd'hui, nous les pray, Father, that, oh God, even as we go into the month of December, quand ils vont dans les mois de janvier, that all of the things of November will go with us. Toutes les choses de novembre, that, Lord, everything we have remembered, that they will go with us. Toutes choses que nous sommes rappelées iront avec nous.
we will not be forgetful hearers. In the name of Jesus. Lord, we are believing you, O God, that 2021 holds better things for your children. And so, Father, as we look forward to it, O God, let our gift begin to speak up. Let our wives become obvious. And let your name be glorified. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Just before we share the grace, I just want to encourage you, if you're at home, to reach out to us on our email. Joignez-nous à notre email courriel. Info at ccm.church. Info at ccm.church. You can reach out to us through Facebook. Vous pouvez nous joindre à partir de Facebook. Just through Facebook/CornerstoneChapelMountain. Facebook/CornerstoneChapelMountain. You can also reach out to us on YouTube. Vous pouvez aussi nous joindre sur YouTube. And there are places on YouTube actually where you can make comments, and by the grace of God, we will read your comments. Il y a des endroits où vous pouvez commenter, nous allons lire vos commentaires. If you prefer to write a letter, you can write your letter to 11 York Street, New Brunswick. Vous pouvez écrire à 11 York Street. But whatever you do, we want to hear from you. Tout ce que vous faites, nous voulons écouter de vous. And the Lord bless you in the name of Jesus. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Let's share the grace in fellowship. Partageons la grâce. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. We shall live, we shall not die. We shall live to declare the works of God in the land of the living, in Jesus' name. Amen. Let somebody shout hallelujah. Hallelujah. Have a wonderful week ahead of you.